Star de la chanson, Cœur de Pirate est devenue une star de la danse en participant à la nouvelle saison de Danse avec les Stars en ce début d'année. Le jeudi 9 mai, elle se dévoilait dans une longue interview disponible dans le numéro 1613 de Gala, racontant son ascension fulgurante depuis ses débuts en musique, à tout juste 18 ans, mais portait aussi un regard plus avisé sur l'avancée de sa carrière après toutes ces années. Elle évoquait notamment sa forte angoisse, qui s'était accompagnée, en 2011, du diagnostic d'un trouble de l'anxiété généralisée. Un mal qui se caractérise par un sentiment d'insécurité et de stress permanent, et qui a pu lui jouer des tours au début de sa carrière. Alors une simple ado de 18 ans étudiant l'art et la communication, Cœur de Pirate, de son vrai nom Béatrice Martin, a été surprise par son succès. Je n'assumais pas du tout d'être devenue une personnalité publique, expliquait-elle, avant de raconter les difficultés qu'elle a pu rencontrer à ses débuts. C'était dur de m'approcher, de me demander une photo. Mais j'ai été diagnostiquée et suivie, en 2011, dit-elle à propos de son trouble de l'anxiété généralisée. Avec du recul, et plus de 10 ans de suivi, la chanteuse et maman de deux enfants est formelle, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Cette bonne nouvelle qu'elle annonçait à Gala loin de la scène, où elle évolue depuis plus de 10 ans, Cœur de Pirate est une maman dévouée pour ses deux enfants, Romy et Arlo. Ce dernier est né de sa relation avec Mark Flynn, un entrepreneur dans la restauration basé au Québec. Ensemble depuis 4 ans, les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour, le chum de la Québécoise l'avait d'ailleurs accompagné à Paris pendant le tournage de Danse avec les Stars avec leur fils. Un sacré cadeau de sa part, confiait la chanteuse à Gala, avant d'avouer que leur relation allait connaître une nouvelle avancée, on va bientôt se marier, en septembre. On ne peut donc que leur souhaiter nos meilleurs vœux. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Rubin Sassone.